Le prochain défi va vous demander de modifier des armes à un établi de modification. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les bunkers comme il est en face de moi. Mais ces bunkers ne s'ouvriront que à partir de la troisième tempête. Donc là, la troisième tempête vient d'arriver. Et logiquement, les bunkers vont être disponibles. Donc là, vous pouvez voir que là, il y a des chaînes. Donc je pense que quand il y a des chaînes, le bunker ne s'ouvrira pas dans cette partie. Par contre, vous pouvez voir qu'à d'autres emplacements, donc par exemple ici, il y a un bunker qui s'est ouvert parce qu'il y a le petit logo du bunker avec le point d'exclamation. Donc ce que je vais devoir faire, c'est de me rendre à l'un de ces bunkers pour ensuite pouvoir rentrer dedans et aller modifier mon arme à un établi de modification. Donc là, je vais me rendre directement au bunker le plus proche qui est tout en haut. Donc c'est assez loin, mais c'est pas grave. Ok, donc je suis arrivé près du bunker. Alors j'ai l'impression que il y a des bunkers avec une petite lampe comme ça, au-dessus du bunker. Et quand il y a cette lampe, ça veut dire que le bunker va s'ouvrir pendant la partie. S'il y a des chaînes et qu'il n'y a pas la lampe, je pense que le bunker ne s'ouvrira pas. Donc quand le bunker est ouvert, là ce que vous allez faire, c'est tout simplement rentrer dedans. Et ensuite, aller modifier votre arme à un établi de modification. Donc il faut savoir que pour réaliser le défi, vous allez devoir modifier 4 armes au total. Donc je ne sais pas si vous pouvez modifier 4 fois la même arme. Par exemple, vous mettez un viseur point rouge, ensuite vous mettez un viseur holo. Je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais si ça ne fonctionne pas, vous serez obligé de modifier 4 armes. Et logiquement, vous n'avez besoin que de mettre un seul équipement sur chacune des armes que vous voulez modifier. Donc dès que vous aurez modifié 4 armes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.